Énorme affiche de Ligue 2, BKT entre le Paris FC et Auxerre, car le PFC est leader sur une série de 5 victoires consécutives. Et parce qu'Auxerre commence à être beaucoup mieux classé et a pris 7 points sur ses 3 derniers matchs, en ayant dans ses rangs le meilleur buteur du championnat, Mickaël Le Bihan, le numéro 8 de la JOCR et bien sûr titulaire dans ce match. Une partie qui s'annonce très disputée. Les Parisiens ont beaucoup de confiance, mais rate ici un ballon. Il est exploité par Auxerre pour l'ouverture du score rapide. 4e minute, Mickaël Le Bihan marque encore. Voici son 9e but de la saison, bien servi par Mathias Autrette. Relance complètement ratée de l'équipe parisienne. Autrette fixe et peut décaler Le Bihan très précis. Il y a un but très vite dans cette affiche. Le match est donc lancé. Mais ce but a donné beaucoup de confiance à Auxerre qui n'en manquait pas ces dernières semaines. Les joueurs de Jean-Marc Furlan continuent donc à attaquer. Rémi Dugimon se remet face au but. Quelle frappe de Dugimon pour le 2-0. Dès la 8e minute du match, Auxerre mène 2-0 sur le terrain du PFC. Les Auxerrois convertissent toutes leurs opportunités en but, même quand ça n'en est pas vraiment une, car ici Dugimon se crée ce but, c'est son 5e de la saison. Le PFC est complètement cueilli à froid et ne s'attendait sans doute pas à un début de match aussi compliqué. Attention à cette balle en retrait, la défense encore dépassée, les Parisiens ne se trouvent pas et commettent énormément d'erreurs. Ils sont sanctionnés encore une fois par Mickaël Le Bihan. 37e minute, 3-0 pour Auxerre. Et 10e but de la saison pour Le Bihan qui y va encore de son doublé. Incroyable première période qui voit Auxerre marquer sur toutes ses occasions et le PFC ne s'en créer aucune. À la mi-temps, Auxerre mène 3-0 sur le terrain de l'équipe parisienne. Le coup est très dur pour l'équipe de René Girard. Mais il y a la seconde période pour se relancer. C'est ce qu'essaye de faire les Parisiens, mais ils ne parviennent pas à développer leur jeu. Auxerre continue de son côté à développer le sien en toute tranquillité. Ça se termine par un tir sauvé par Vincent Demarconnet. Mais les combinaisons et le redoublement de passes sont trop simples. Côté bourguignon, ils ne sont pas assez contestés. Jusqu'au bout, Auxerre conserve son score assez tranquillement. Le PFC a raté son match et s'incline pour la première fois depuis 5 rencontres. Victoire d'Auxerre très nette, 3-0 sur le terrain du Paris FC.